Jour 19, mercredi 23 août. Ça va. Les douleurs sont toujours là au niveau des jambes et au niveau du fameux genou qui me fait un peu mal. Mais c'est un peu moins violent que les autres jours. J'y vais toujours à un rythme modéré. Il y a encore une certaine fatigue musculaire. Donc on va essayer de faire avec. Et de toute façon, dans les jours qui viennent, ça devrait s'améliorer. Enfin, le corps continue à s'adapter. Et au niveau du sommeil, tout va bien. Je commence à avoir pris le rythme. Par contre, chose intéressante, c'est que ce matin, donc 23 août, bah, j'ai croisé beaucoup plus de voitures que d'habitude à 5 h du matin sur la route. Donc je pense que les gens sont rentrés de vacances. Et commence à reprendre le travail. Donc enfin, la France se remet au boulot. Parce que quand même, il faut dire une chose, c'est que tous les ans, pendant les 20 premiers jours d'août, ce pays est complètement à l'arrêt. C'est quand même un gros problème, parce qu'il y a énormément de choses qui tournent au ralenti pendant cette période estivale tous les ans. C'est surtout sur les réseaux sociaux où j'ai vu cet été plusieurs entreprises ou des petits commerces qui annonçaient qu'ils mettaient la clé sous la porte parce que cette période estivale avait été fatale pour eux et que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'est malheureux d'avoir ces nouvelles-là, mais il faut se dire que ça n'arrive pas par hasard, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Des raisons cumulées depuis plusieurs années, que ce soit au niveau politique et au niveau économique, qui font qu'aujourd'hui on en arrive là et qu'aujourd'hui les petites activités ne tiennent pas le coup face aux grands groupes commerciaux, face à l'économie d'Internet, qui n'ont aujourd'hui pas vraiment de soucis à se faire, qui sont dans un secteur en plein boom, puisque les gens sont plus que jamais pris dans cette société de consommation, dans cette loi du marché, et je pense que ça ne va pas s'améliorer si personne ne se réveille. Le réveil va être long et difficile. En tout cas, en ce qui nous concerne, vous et moi, nous passons déjà de bonnes journées depuis maintenant quelques jours, depuis presque une vingtaine de jours. Donc ça, c'est bien. Donc je vous souhaite encore une bonne journée. Gardez le sourire, malgré tous les petits tracas quotidiens. Partez d'un bon pied. Tenez le cap. Demain est un autre jour. Et voilà, c'est la vie continue. Bye bye.